Alors le musée d'Orsay, c'est un lieu unique au monde en fait. C'est un lieu magique puisque c'est une ancienne gare transformée en musée, ce qui déjà est en soi un propos assez original et le lieu reste très très fort. Et puis c'est le seul musée au monde qui soit consacré à cette seconde moitié du 19e siècle, qui est un moment charnière dans l'histoire culturelle au moins européenne et sinon occidentale, un moment où s'invente la notion d'art moderne. C'est une exposition qui est aussi un projet très original parce que c'est un projet qui veut mêler art et science et qui veut questionner le rapport de l'homme moderne à la nature. Parce que c'est précisément au cœur du 19e siècle que se met en place la science moderne, un moment où, en quelque sorte, le rapport de l'homme à la nature et au monde naturel change. Change parce qu'il devient en quelque sorte destructeur de ce monde naturel et de son propre environnement. Et qu'il commence à en avoir conscience au 19e siècle. Et c'est à ce moment-là que les grands muséums se créent, qu'on passe de la curiosité à l'étude scientifique de la nature, que toutes les disciplines scientifiques telles que nous les connaissons aujourd'hui se mettent en place et que d'un certain point de vue, l'homme procède à un grand inventaire du monde dont rendent compte précisément les collections du muséum et le muséum est l'un de nos grands partenaires pour cette exposition donc dédiée à ce rapport de l'homme à la nature. Et au cœur évidemment de cette question, il y a la théorie de l'évolution. Comment l'homme a changé ce rapport à la nature, comment il s'est interrogé sur le passé du monde et comment la théorie de l'évolution peut prendre forme, puisqu'il suppose un temps long, précisément le temps de l'évolution, et comment cette révolution intellectuelle bouleverse évidemment aussi le monde artistique, le monde de la création, le monde intellectuel. Nous sommes très attachés au spectacle vivant, aux échos en quelque sorte, dans toutes les disciplines artistiques que peuvent avoir nos collections et notre programmation d'exposition. Moi, je fonctionne beaucoup par rencontre. Et Laurence a énormément compté dans une rencontre qu'on a eue et un échange. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment le faire ? Et c'est à partir de là qu'on a commencé à échanger sur précisément les passerelles que l'on pouvait créer entre un musée de beaux-arts et le monde du théâtre, comment on pouvait accompagner certains événements. Ce qui nous fait nous rencontrer, c'est le sujet, celui des origines, et là, l'idée des animaux dénaturés, avec une œuvre extraordinaire comme celle de Vercors. On appelle conscience phénoménale la conscience d'être conscient. Cette conscience si importante aux yeux des êtres humains. J'ai besoin toujours de chercher une forme de cohérence malgré, je dirais, les éléments disparates. Et comment on met en place un système de résonance entre des œuvres ? Parce qu'elles sont en résonance, fondamentalement. Ces œuvres ont une indépendance par rapport à notre propre vivant. Et nous sommes en dialogue avec ces œuvres, tant du passé que du présent. Donc il y a aussi cet effet de contamination très puissant entre l'œuvre et l'être, mais il y a aussi ces résonances entre les œuvres elles-mêmes. Le fait que les singes, les grands singes et les hommes ont tous des comportements de réconciliation signifie que le pardon a probablement plus de 30 millions d'années. Dans ce travail, je cherche toujours à comprendre où l'humain commence et où est-ce qu'il se termine. C'est une question essentielle aujourd'hui. Et elle est importante aujourd'hui dans le temps présent que nous traversons ensemble et que nous vivons un temps que nous n'avions pas prévu de vivre. Et cette réalité terrifiante, affligeante, nous met face à notre propre limite et finalement notre propre vulnérabilité. Les humains sont des animaux très sociaux. Ils aident parfois des individus gratuitement, faisant ainsi preuve d'altruisme. Chez le singe le plus sain, l'aversion à l'injustice est proportionnelle au travail fourni. Les singes s'attendent à gagner plus en travaillant plus et réagissent d'autant plus que leur propre récompense, leur part est dérisoire. Peut-être nous sommes la seule espèce vivante à tuer si facilement pour pas grand-chose. Donc peut-être que la pièce de Vercors, ce qu'on doit en retenir au fond, ou ce sur quoi, s'il n'y avait qu'un mot, c'est où commence notre humanité et à quel moment nous sommes dans une capacité d'être humain. Et qu'est-ce que c'est ?
Donc ça pose la question de l'humanisme finalement, mais cette fois du 21e siècle, et comment le construit-on? Vous soyez prêts à monter, même si ça tremble, mais c'est à vous de trouver le point, jusqu'à la chute possible, parce que de toute façon ça va craquer, ça va tanguer, c'est notre dernier échange, mais on est convaincu que c'est important de parler de ça avant la chute. Pour moi, dans ce projet, le défi, finalement, c'est d'essayer que l'artiste, acteur, le comédien, la comédienne, puisse accueillir en lui, justement, la singularité du lieu où il se trouve. Comprendre bien qu'il est dans un musée et pas dans un théâtre. Que c'est un endroit comme au théâtre, le mot théâtre en grec veut dire l'endroit d'où l'on regarde. Comment on est ensemble pour regarder quelque chose ensemble. L'essentiel dans ce procès, ce n'est pas le sort de mon client, ni de quelques malheureux trop inhumés, le destin peut-être de nombreux petits peuples que l'on s'apprête, vous l'avez entendu, à réduire de nouveau en esclavage. Et puis le défi, c'était aussi de se dire comment être en dialogue avec cette exposition, comment être dans cet échange secret finalement, intime et profond pour chacun des interprètes. Et là, je remercie vraiment le musée dans la qualité des éléments qui ont pu être donnés aux artistes, comédiens, interprètes. Bon, ça n'est pas la première fonction que d'être dans un musée. Donc c'est comment casser ces barrières, c'est ça le défi. Et c'est bien là le rôle d'un tribunal? Si vous pouvez nous dire, cher procureur, où finit l'animal? Où commence l'homme? Vous me rendrez un fier service! Et moi je dis, mademoiselle, que pour sauver la tête de votre amant, vous trompez le jury. Beaucoup d'anthropologues ne pensent pas comme vous. Ce qui nous paraissait intéressant à nous, visiteurs de 2020-21, d'interroger les racines, en quelque sorte, de notre propre modernité, de notre propre rapport moderne à la nature, dans sa fascination. De pouvoir parcourir un texte comme celui-là qui est inscrit dans le XXe siècle, mais qui prend ses origines avant et qui en même temps nous envoie aujourd'hui, dans le temps du virus, j'ai envie de dire, on ne pouvait pas rêver mieux comme contexte. On aurait voulu imaginer un virus face à ses œuvres, on n'aurait pas eu la force de le concevoir.